T'as raison. Ils sont pressés, ils veulent même pas que je vous dise bonjour, bienvenue, tout ça, quoi, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. Donc, bonsoir et bienvenue à toute la famille. Merci. Alors au niveau des remerciements, ça peut aller très vite, parce que d'abord on va remercier Jean-Pierre qui va faire le son pour nous ce soir et qui nous a gentiment invités à venir faire ce concert de soutien. Donc faites-lui un big up s'il vous plaît à Jean-Pierre. On va faire aussi un gros remerciement à Jean-Marc qui est propriétaire du bar tabac qui nous reçoit ce soir et qui pour la deuxième fois nous laisse mettre un peu de rébellion dans cette Bordeaux belle endormie. Donc un gros merci à Jean-Marc s'il vous plaît. Alors maintenant, il faut que je fasse des gros big up, et là, la liste commence à devenir un petit peu longue, même si elle n'est pas encore assez longue. Alors tout d'abord, je voudrais faire un gros bravo et un gros merci à tous les camarades de UDAL, le droit au logement, pour qui on organise la soirée ce soir. Alors je vais sans doute en oublier, mais quand même on va essayer. Donc puisqu'il est là, je vais dire un gros big up à Ben, s'il vous plaît, faites-lui un gros big up. Je vais parler des gens qui se bougent. À l'étage, là, les gens qui vous ont tamponné, qui sont près de la table de presse, on va remercier François, s'il vous plaît. On va remercier les deux Isa. Soyez pas avare. On va faire un gros big up à Antoine, s'il vous plaît. Un gros big up à Rajik, s'il vous plaît. À qui j'ai oublié, on va faire un gros big up à Manu, s'il vous plaît. Et un gros bisou à Lydie, s'il vous plaît. Et un gros bisou à Rafa, je crois que c'est le tour. Alors ce soir, cette soirée, c'est donc pour soutenir le DAL, pour donner un petit peu de sous pour qu'on puisse mener nos actions, mais c'est aussi pour rencontrer les personnes dont je viens de vous parler. On est une petite dizaine en collégial, on commence à être un petit peu plus nombreux sur les groupes d'action et tout ça, mais on a toujours besoin de monde, donc n'hésitez pas à venir rencontrer l'association, on est venu exprès pour ça ce soir, pour faire l'amour et tout, mais aussi donc pour parler un petit peu des choses politiques, parce que c'est pas parce que c'est Hollande que vous avez remarqué, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. À nous, l'orchestre poétique d'avant-guerre, rien n'a bougé non plus, nous sommes toujours tout en improvisation pour vous ce soir, et nous espérons que vous allez passer un agréable voyage. Je suis la vétérante d'une guerre qui ne dit pas son nom, qui ne délimite pas son territoire, qui ne désigne pas ses champs de bataille, qui ne dresse aucun monument à ses morts et à ses blessés. Pour te dire, je ne savais pas moi-même concrètement ce que cela voulait dire que les mots de mutilation, tranchée, instinct de survie, peur au ventre, fuite, non je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était que de laisser des camarades étendus par terre tandis que j'essaierais de sauver ma peau. Non je ne savais pas. Je suis la météorite.
dit pas son nom. Je suis la vétérante d'une guerre qui ne dit pas son nom.
une guerre qui ne dit pas son nom. J'ai noté cet enfer dont on fait un voyage pour y trouver tout au bout ce premier noyau qui fit de nous la flore, puis le fruit qui fit de nous la flore. À tous ces combattants d'une guerre qui ne dit pas son nom, morts sous les coups de la police. Merci beaucoup. Je m'étais réveillée avec ça ce matin dans la tête. Et ben bon, alors c'est fait. Poursuivons. Je vais faire le tour des musiciens, comme ça ils, chacun leur tour, ils proposeront un truc. Le jeune homme là-bas, je dis toujours jeune homme, il doit en avoir marre depuis le temps. Mais... Je suis plus jeune, regarde. Antonio, s'il vous plaît, sur les applaudissements. Tu prends la parole pour dire quoi?
autre que moi vient d'attraper la rage. J'aurais beau le supplier, il ira au supplice. Ta langue me vend. J'aurais beau le supplier, il ira au supplice. Il le prend devant de la langue pendante. Quand je prends la parole, pour dire quoi? Mais j'ai pris de la merde après. Sûr, c'est une métaphore, faut pas le prendre comme ça, j'écris pas mon caca, enfin bon, après la merde, après tout ça c'est subjectif et tout, mais en fait au départ je voulais pas dire que j'écrivais de la merde, enfin, bon, c'est compliqué. Posez vos membres sur le canapé, on va dire. Ça va bien les gens? C'est chaud hein? N'hésitez pas à aller voir des coups, ça fera plaisir à Jean-Marc. Entre deux, une place quand même. Je vais continuer à vous présenter les Icos qui jouent pour OPA ce soir. Vous aimez le rock'n'roll? Ah oui! Ah ouais! À fond, à mort! À mort! C'est qui le rock'n'roll? Yeah. Ouais, c'est lui! Il fait crier lui! Il s'appelle Vincent, merci pour lui! Que des vieillards qui se en larmes, des mauvaises et des orphelins.
Jusque à quand la Sainte-Clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand on
République, de la justice. La commune de Paris. En ce moment, une autre commune est en train de se créer et d'émerge à la ZAD. Je propose qu'ici aussi, nous soyons une zone à défendre. Comme il y a eu X communes, qu'il y ait X ZAD partout qui s'ouvrent en France. Ici même, déclarons Bordeaux zone à défendre. Allez, tous ensemble.
Sinon, c'est que pour vos oreilles, alors.
Voilà, on n'a pas répété depuis 2005 en fait, vous voyez. C'était même pas les mêmes musiciens, vous voyez, ça rien à voir. Pas merci à voir. Nous dit bien le concert qui est là, on trouve trois cacahuètes, on vient, on fait, ouais, c'est là. Oh, il a la lumière, c'est une petite croix, quoi. La chanteuse est un peu plus vieille que les autres, mais. Ta gueule. Je suis bien père, toi. Notez son nom. Il faut que je vous présente maintenant le batteur à la moissonneuse batteuse pour vous ce soir. Je vous demande de faire un gros big up à Max, la menace. Se nourrit de nos pulsions, allez. Saint-Michel, écoute. Y'a
il est temps de prendre la parole. Il est temps de nous rencontrer tels que nous sommes, les libres enfants de la commune. Il est temps de nous rencontrer tels que nous sommes, les libres enfants de la commune, de la libre commune de Saint-Michel. Écoute, écoute, de la libre commune de Saint-Michel. Écoute, de la libre commune de Saint-Michel. Écoute, 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 de la libre commune. Écoute, nous les libres enfants de la commune, nous les libres enfants de la commune. Écoute, 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 écoute. La solidarité sont les premières armes. L'amour et la solidarité sont nos premières armes. Ce sont elles qui nous soudent. Ce sont elles qui nous éclairent. Ce sont elles qui nous relient. Et qui font que nous avons les palmes ouvertes. Nous les libres enfants. La solidarité sont nos premières armes. J'ai entendu une sista qui disait « C'est les seuls, c'est les seuls !» Donc je répète, l'amour
et la solidarité sont nos seules armes. Donc n'hésitons pas à nous en servir parce que ça coûte que dalle. Donc le CAEP, le DAL, machin, demain 15h, place Pé Berlin pour les copains de la ZAD contre toutes les expulsions parce qu'il y a basta. T'as vu comment t'as gueulé? Même moi avec le truc, je t'ai entendu. À propos d'amour et de solidarité, OPA ne se répète jamais, mais pourtant je vais me répéter. Pour Gaza, s'il vous plaît, la famille. Gaza sous les bombes. Pour Gaza, la famille. D'œuvre et le maçon. Je me souviens, c'était hier. J'aurais bien partagé ma terre. J'ai tendu la main à des frères qui me l'ont coupé sans raison. Avoir nos maisons abattues, aux chars qui défoncent les rues, aux colons poussant les frontières. Comment apprendre à nos petits le respect et l'amour d'autrui s'ils naissent et grandissent aujourd'hui dans des prisons à ciel ouvert. Ne plus compter que sur la chance. Et pour entrer dans vos silences, renoncer à lancer des pierres. Renoncer à lancer des pierres. Il y a pourtant tant de Shoah, de Sabra et Chatila, de Naplouse jusqu'à Gaza, tant et tant d'appels au secours. Mais c'est aujourd'hui comme hier, peau de terre contre peau de fer, les géants contre les poussières. Faut-il croire que le monde est sourd? Racontera notre histoire, celle
de Nations Unies sans mémoire, pleine de bonnes résolutions. Se soucie de leur nom. Il y a pourtant tant de Shoah, tant de Sabra et Shatila. Notre terre de Palestine, de Hébron jusqu'à Jénine, un mur. Le mur de la honte. Vois-tu ce qui nous dessine sur notre terre de Palestine, de Hébron jusqu'à Jénine, un mur. Pour nos lamentations. C'est le dernier morceau, la famille. Non. Alors avant qu'on se quitte, je vais refaire le récapitulatif pour tout ce que vous avez vos souvenirs. C'est pas compliqué, c'est tout demain. Ouais, pas compliqué. Le matin, vers 8h30, vous prenez un petit déjeuner avec des céréales, du truc, pas équilibré. Pour vous rendre à 11h devant le Grand Théâtre, il y a un rassemblement qui est organisé par plusieurs associations qui travaillent justement sur la Palestine. Par rapport à ce qui se passe à Gaza, renseignez-vous, c'est un petit peu la merde quand même. Donc à 11h, il y a un rassemblement au niveau du Grand Théâtre. Et puis à 15h, vous prenez juste un sandwich, vite fait. Voilà. Et à 15h, vous allez à Péberlan, amenez votre acte, c'est pour en soutien donc à la zone à défendre, contre toutes les expulsions et contre la police, vraiment. Il y en a plein le cul, hein. Il y en a plein le cul. Donc n'hésitez pas à venir, parlez-en à vos potes. Le prochain concert d'OPA, pour ceux qui voudraient revenir nous voir, c'est le 30 novembre, on joue au Samovar. Formation guitare, violon, beaucoup plus intimiste. Toujours en improvisation pour vous, messieurs, dames, en soutien à ce lieu-là qui se trouve rue Camille Sauvageau. Donc on espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous retrouver, vous tapez opa33.org, opa machin. On est toujours en copyleft, ça veut dire que tous nos albums, tous nos textes, tout ça, c'est gratuit, téléchargé gratuitement. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout gratos, donc n'hésitez pas, servez-vous, c'est fait pour ça. Amenez vos grand-mères, vos grand-pères. Violon, guitare pour les mamies, ça passe. Voilà. On fait pour tout public, vous voyez, on est tout public. Hein. Bientôt, on va faire les maisons de retraite, hein, donc on va faire bien côté. Donc on vous remercie d'être venu. Encore un gros big up à toute la famille du DAL, je vous demande de les applaudir. Pour tout le boulot qu'ils font. Un gros big up à Jean-Pierre encore pour nous avoir fait le son ce soir. Aline, Lille qui nous a fait la caméra ce soir, merci pour elle. Je vous demande de faire un gros big up à tous les musiciens qui sont venus jouer ce soir pour Que DAL. Que le plus important, c'est l'amour. N'oubliez pas que le plus
bonheur pour nous de te recevoir. C'était grand bonheur pour nous que tu sois venu. C'était grand bonheur pour nous de te recevoir. C'était grand bonheur pour nous que tu sois venu. Nous avions affûté nos armes. Vire-vole, vire-vole.
l'homme qui plonge. Si de la vie ça reste à faire, moi, non. Ouais.